Crime vous raconte ce soir deux faits divers qui ont bouleversé des familles entières. Deux histoires incroyables de viols et d'agressions sexuelles dans le milieu sportif. Crime spécial scandale sexuel dans le sport, c'est tout de suite. Le 30 janvier 2015, une enseignante de la Nièvre écrit au procureur de la République de Nevers. Dans sa lettre, elle révèle qu'Éléonore, une élève de 18 ans, prétend avoir subi de nombreux abus sexuels de la part de son moniteur de sport. Une fois interrogée, Éléonore refuse de divulguer le nom de celui qui l'agresse. Après de longs mois d'enquête, les gendarmes vont réussir à mettre la main sur un homme dangereux qui sévit aux quatre coins de la France dans le milieu équestre. Alors pourquoi Éléonore refuse-t-elle de parler? Qui sont les autres victimes de ce moniteur de centre équestre? Et surtout, qui est cet individu qui s'en prend à de jeunes cavalières? Partout en France. Je pourrais pas dire comment ça s'est passé la première fois parce que c'est tellement arrivé que je m'en souviens plus. Mais je sais que ça a commencé par des préliminaires. Et il m'avait malmené. Ça se passe 2 à 3 fois par semaine. Et ça a duré à peu près 1 an. Kelly a 8 ans et vit à Autignac, près de Béziers. Elle est inscrite dans un club de football amateur de la ville et s'entraîne tous les mercredis. Mais le 20 janvier 2016, alors que sa mère prépare le sac de sport de Kelly, la fillette refuse catégoriquement de rejoindre son club. L'enfant raconte à sa mère qu'elle a fait l'objet d'attouchements de la part de son entraîneur quelques jours auparavant. Cet événement sera le point de départ d'une troublante enquête et fera la lumière sur de nombreuses autres victimes. Alors que se passe-t-il à Autignac, au sein de ce club de football? Pourquoi Kelly accuse-t-elle son entraîneur ce jour d'hiver 2016? Et surtout, à qui d'autre l'homme a-t-il fait subir le même sort? Il l'a fait monter dans sa chambre, seul, lui a demandé de se dévêtir, commencer à pratiquer ce qu'on qualifiera plus tard de différentes caresses buccales, attouchements à connotation sexuelle sur sa personne. Ensuite, certaines filles sont accompagnées, tantôt seules, tantôt à deux, dans la chambre à coucher. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment de jeunes victimes ont été manipulées par leur moniteur de centre équestre. Une enquête qui conduira la brigade de recherche de Dijon à traquer un redoutable prédateur sexuel à travers toute la France. C'est un individu qui est dans la domination permanente. Plusieurs témoins vont même utiliser le terme de gourou. Que je passe de l'une à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un département à l'autre, d'un centre à l'autre, comme de toute façon je ne suis pas pris, comme de toute façon rien ne se sait, je continue sur ma lancée. Nous sommes à Nevers. Peuplée de 33 000 habitants, cette cité bourguignonne est traversée d'est en ouest par la Loire. Entre sa cathédrale, son palais ou encore sa chapelle, la préfecture de la Nièvre jouit d'un remarquable patrimoine historique. C'est une ville assez tranquille, dans un département très rural. Donc on est dans une zone effectivement
où il fait plutôt bon vivre. C'est une ville dans laquelle l'activité en règle générale est plutôt déclinante. Et c'est vrai que c'est une ville qui a un passé historique, mais qui a une actualité un peu compliquée, quoi. Elle est frappée de plein fouet par la crise, hein, par des activités commerçantes qui ferment, par une activité industrielle qui semble en souffrance. Le 30 janvier 2015, le procureur de la République de Nevers reçoit sur son bureau le courrier d'une enseignante de la Nièvre. Dans cette lettre, elle raconte qu'une élève de 18 ans, que nous nommerons Éléonore, est en danger. Le signalement de cet enseignant fait état de révélations de la part d'une jeune fille qui s'est confiée sur des abus sexuels qu'elle dit avoir subis de la part d'un homme il y a quelques années auparavant, en décrivant que ça se passe dans le milieu équestre. Immédiatement, le procureur mandate les gendarmes de Nevers afin d'entendre au plus vite l'adolescente. Alors que va révéler cette jeune fille devant les enquêteurs? Confirmera-t-elle son récit? Et qui est cet homme qui aurait abusé d'elle? Suite au signalement de l'enseignante, Éléonore reçoit une convocation des gendarmes. Réalisant que ses propos ont été rapportés à son insu, la jeune femme de 18 ans perd pied et n'accepte pas la situation. J'étais devenue odieuse avec tout le monde. J'étais agressive, même la prof en question qui avait parlé à ma place. C'était pas question que je la croise dans le couloir, parce que j'avais envie de sauter dessus. Donc pendant les cours, c'est pas facile non plus. Le 29 avril 2015, Éléonore et sa mère se rendent à la gendarmerie de Nevers. Dans un premier temps, l'adolescente revient sur sa passion pour l'équitation. Un sport qu'elle pratique depuis l'âge de 3 ans. Je prenais des cours tous les samedis après-midi, mais après j'y allais de temps en temps pour aider. Ou ça arrive que je fasse des stages aussi l'été d'une semaine, mais c'est mon refuge là-bas. Hein. J'avais qu'une obsession, il y en a, ils veulent aller à la piscine, moi c'était au cheval, tout le temps. Mais lorsque les enquêteurs évoquent l'objet de sa convocation, Éléonore se braque. Mais ils essayent de me faire parler, sauf que moi je voulais pas. Donc je lui ai répondu à 2-3 questions. Est-ce que vous avez été victime? Je lui ai dit oui. Mais de qui, de quand, pourquoi, comment, où? Je voulais rien leur dire. Je voulais pas que ça se sache. Peur du regard des gens, que ma vie change. Et du coup, ils m'ont poussé dans mes retranchements. Ils m'ont fait craquer totalement. Ils ont menacé ma mère de la mettre en garde à vue parce que maman respectait le fait que je ne voulais pas parler. Et c'est là que j'ai donné 2-3 petits indices, la couleur des cheveux, les gens embarqués, et puis les lieux, quoi. Éléonore refuse de porter plainte et même de révéler le nom de son bourreau. Les gendarmes décident tout de même de se rendre dans son centre équestre et d'interroger le gérant. Lorsqu'il est entendu, le gérant du centre équestre, la description qui est rapportée par les gendarmes après les auditions de la jeune fille et de sa maman, ça correspond à un seul individu, Sylvain. Une nouvelle fois entendue, l'adolescente finit par confirmer l'identité de son agresseur. Elle trouve alors le courage de revenir sur son histoire et sur sa première rencontre avec Sylvain. Un jour de l'été 2011, Éléonore a 14 ans lorsque ce palefrenier du centre équestre lui demande de l'aide pour dresser un cheval. Il devait monter un petit poney réputé un petit peu comme sauvage dans l'écurie. Et il avait le cheval, essayé de le mettre par terre. Et puis il a dit à son poney, le poney qui va mettre par terre, il est pas né. Sauf que 3 minutes après, il était dans le sable. Il était tombé. Et puis moi, j'ai rigolé. Je me suis moqué de lui, quoi. Une attitude qui déplaît à Sylvain, alors âgé de 39 ans. Il a commencé à me tenir des propos. J'avais des fesses confortables, qu'il allait m'occuper la bouche parce que je parlais trop. Et pour le coup, je lui parlais même pas.
Les jours suivants, le cavalier franchit un cap dans le harcèlement. Je prenais même plus la peine de dire bonjour. C'était directement des propos comme ça. Puis après, il y a eu les mains aux fesses. On se croisait, une petite claque. Après, ça a été crescendo. Une première fois, il a essayé de me coincer dans un box. Donc là, à ce moment-là, il m'avait touché la poitrine, le sexe à travers les vêtements. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé dans la cour, donc du coup, il s'est barré. Complètement effrayée par cet homme, l'adolescente ne parvient pas à en parler autour d'elle. Et après les injures et les agressions sexuelles, Sylvain va violer Éléonore dans un box du centre équestre. Et il est arrivé par derrière et il m'attrape et il enlève le pantalon, il me retourne et voilà. Une brute. Et t'inquiète pas, ça va aller. Et bon. À l'écoute de ce témoignage, les gendarmes contrôlent le casier judiciaire de Sylvain. Ils retrouvent alors la trace d'une autre plainte, datée de 2010, pour agression sexuelle sur une jeune fille de 15 ans et demi, dans le département de l'Ain. On se retrouve dans une situation quasi identique, toutes les deux parlent de boxe, à l'abri des regards, et un individu qui va agir manifestement de ce qu'elle décrit, sous le coup d'une pulsion. Une pulsion qui, pour Éléonore, va le conduire jusqu'à abuser d'elle en la touchant, puis en lui imposant des rapports sexuels, tandis que le rapprochement que nous faisons avec cette précédente jeune fille, ça s'arrête au stade des attouchements parce qu'elle est en mesure de réagir et de faire en sorte qu'il s'arrête. Mais cette enquête n'avait pas abouti. La jeune fille va expliquer cela devant les gendarmes. Lui, il va être entendu à l'époque et va nier en bloc. Donc on est dans un cas assez classique dans des enquêtes de cette nature où c'est la parole d'une plaignante contre la parole d'un mis en cause et on n'a pas plus d'éléments pour trancher. Alors cette nouvelle instruction ira-t-elle cette fois jusqu'au bout? Sylvain niera-t-il encore les faits? Et que vont découvrir les gendarmes sur le passé de cet homme. Suite au dépôt de plainte d'Éléonore, le juge d'instruction en charge du dossier décide de saisir la section de recherche de Dijon. Dès lors, les gendarmes de cette brigade spécialisée commence par enquêter sur la personnalité du suspect. Sylvain, c'est un homme qui est né en 1972, qui grandit en région Rhône-Alpes, qui va être marqué très jeune par la séparation de ses parents et qui a évolué dans un contexte marqué par l'absence du père et qui va donc grandir uniquement avec sa mère et sa sœur. Perturbé par ce drame familial, l'adolescent va être renvoyé de plusieurs établissements scolaires à cause de son comportement. Il va finir par être placé judiciairement dans un foyer où là encore il va poser des problèmes de comportement. Et donc on se rend compte que cet homme, dès le plus jeune âge, a des troubles du comportement qui, à la moindre contrariété, va le conduire à des accès de violence verbale et de la violence physique très rapidement. Arrivé à l'âge adulte, et alors qu'il doit quitter son foyer d'accueil, Sylvain n'a obtenu aucun diplôme. Et cet individu a eu, j'allais dire, comme seul bagage l'acquisition d'un certain nombre de compétences dans le domaine du cheval et va se servir de ces compétences pour trouver du travail dans ce milieu-là. Sylvain, qui pratique l'équitation depuis sa plus tendre enfance, apparaît comme un cavalier émérite. Ah mais ça, elles disent toutes que quand ils montaient à cheval, elles étaient fascinées, elles étaient émerveillées. Parce que c'est un bel homme, parce que, encore une fois, il porte beau, et qu'il est extrêmement distingué quand il monte, qu'il fait des choses qu'elles ne savent pas faire, évidemment. Si ses talents de cavalier parlent pour lui, l'homme ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Ainsi, sa vie
est marqué par une itinérance de haras en centre équestre. Les chevaux, c'est sa vie. Peu importe où est-ce qu'il exerce son métier, il souhaite exercer son métier, il a besoin d'exercer son métier, et il y arrive. Que ce soit à Lyon, que ce soit à Marseille, que ce soit dans la Nièvre, que ce soit dans le Cher, que ce soit dans d'autres départements, il arrive toujours à exercer son métier. C'est sa raison d'être. Sa vie sentimentale va être quasiment calquée sur cette vie professionnelle, c'est-à-dire des relations de plus ou moins courte durée à différents endroits et qui vont cesser pour plusieurs d'entre elles à la suite de violences. Interrogé par les gendarmes de la section de recherche, les proches de Sylvain dressent un profil inquiétant. Ce qui est décrit par toutes les personnes qui ont travaillé avec lui ou qui ont été à son contact dans un cercle un peu plus amical, voire un cercle sentimental, dresse le portrait d'un individu manipulateur qui a le verbe facile, d'un individu qui aime attirer l'attention sur lui, qui en fait trop, qui en fait beaucoup trop, au point que beaucoup de ces personnes-là vont le qualifier de mégalo. Plusieurs témoins vont même utiliser le terme de gourou. Pour illustrer sa mégalomanie, de nombreux témoins relatent même qu'il se faisait appeler Dieu. Quand il dit « appelle-moi Dieu », c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour l'employeur, c'est pour l'autre, c'est pour la compagne. Il ne supporte pas, a priori, qu'on remette en cause son autorité naturelle. Il est comme ça, on le prend comme il est. Et on ne peut pas remettre ça en cause. C'est un individu qui est dans la domination permanente, aussi bien avec les femmes que les hommes. S'il peut y arriver de manière la plus habile possible, c'est-à-dire en faisant en sorte d'avoir l'impression d'obtenir l'adhésion de la personne, c'est parfait. Avec les hommes, ça s'arrêtera à ce stade. En revanche, avec les femmes, Sylvain va être dans la volonté de domination jusqu'à faire en sorte de réduire en quelque sorte la femme à l'état d'objet. Fort de ces informations, les enquêteurs bourguignons tentent de recenser tous les employeurs de Sylvain. Les gendarmes vont se dire que peut-être il a pu commettre d'autres faits. Et ils vont dérouler sa carrière pour voir par où il est passé et voir s'ils peuvent trouver d'autres jeunes filles qui auraient eu à connaître ce même genre d'agissement. Et c'est comme ça qu'on va avoir une fresque qui va aller pratiquement pendant 15 ans sur les différents lieux d'activité de Sylvain et de se rendre compte qu'il n'a pratiquement pas laissé de gamine indemne au cours de cette vie professionnelle. Alors les gendarmes retrouveront-ils d'autres victimes? Réussiront-ils à réunir des preuves matérielles? Et où peut bien se trouver Sylvain? Les investigations de la section de recherche de Dijon portent rapidement leurs fruits. En retraçant le parcours de Sylvain, les gendarmes obtiennent un témoignage capital. Les enquêteurs vont être amenés à recueillir un élément nouveau auprès du gérant d'un centre équestre d'une petite bourgade dans la Nièvre, qui va expliquer qu'effectivement Sylvain est passé par chez lui, y a travaillé, et que précisément il aurait eu une relation avec une jeune fille mineure. Cette victime se nomme Audrey. Au moment des faits, en novembre 2010, l'adolescente a tout juste 15 ans. Ce sont ses parents qui ont mis fin aux exactions de Sylvain, après avoir découvert sa correspondance malsaine avec leur fille. Il lui envoie des messages, des lettres d'amour. On va saisir effectivement des lettres où on a l'impression quasiment de deux adolescents. Et c'est dans ce contexte-là, d'emprise finalement, que Audrey va décrire des attouchements sexuels. De la même manière qu'il a pu procéder avec les autres jeunes femmes, c'est-à-dire en arrivant comme ça alors que Audrey se retrouve seule. Et une fois les actes, les attouchements commis, va repartir quasiment sans un mot. Alerté par les parents d'Audrey,
le gérant du centre équestre se contente de licencier son entraîneur. L'homme de 38 ans va alors poursuivre son errance. Le comportement de Sylvain pose problème quasiment partout où il passe. C'est quasiment une constante dans les auditions des différents gérants. Et pour autant, la conséquence, c'est que Sylvain s'en va recommencer ailleurs, jusqu'à ce que les choses se terminent de la même manière. Et entre-temps, il n'y a eu aucun signalement, aucune plainte. Les gendarmes dijonnais vont ensuite recueillir une autre information. Ils apprennent qu'à l'été 2008, Sylvain a entraîné deux jeunes filles de 13 et 16 ans dans un centre équestre des Alpes de Haute-Provence. Hélène et Margot ont toutes deux la même passion, comme toutes les autres jeunes femmes dans cette procédure, le cheval. Vont être subjuguées par les talents, en quelque sorte, de cavalier de Sylvain, et vont être à son contact quasiment quotidien durant cet été 2008. Elles vont se retrouver très fréquemment seules avec lui. En effet, les parents de Margot ont mis à disposition des jeunes filles un mobilhome sur place. Ainsi, elles passent tout leur été au contact de leur moniteur qui instaure avec elles une relation ambiguë. Il sait comment leur parler dans un premier temps. En tout cas, Margot, il sait comment lui parler. Il y a un jeu de séduction. Et puis, elle se rend compte en même temps, et ça c'est quelque chose mais qu'elle n'arrive pas à analyser, c'est qu'il peut être extrêmement violent. Parce qu'il va avoir des gestes extrêmement brutaux envers les chevaux, à donner des coups de cravache et à vraiment faire mal à l'animal, à la bête, ce qui est inconcevable pour Margot et Hélène. De sorte que la fascination devient aussi une sorte de crainte. Sylvain va également user de chantage. Pour avoir le droit de monter le cheval de leur choix, les jeunes filles doivent lui envoyer des photos et des vidéos d'elles, dénudées. Puis rapidement, il passe à la vitesse supérieure. Pour toutes les deux, les faits vont se passer de la même manière, des faits d'attouchement sexuel, de viol, alors que ni l'une ni l'autre n'a la moindre idée de ce qui se passe. Et donc, elles vont garder pour elles ce qui se passe, et finalement, ça n'est qu'à travers la procédure qu'elles vont découvrir qu'elles sont toutes les deux victimes, quasiment concomitamment, des abus sexuels de Sylvain. Le 10 janvier 2017, 2 ans après le début de l'enquête, les gendarmes de la section de recherche ont enfin localisé Sylvain dans un centre équestre du Cher. Ils décident alors de passer à l'action. On déclenche l'opération d'interpellation, qui va s'avérer être un échec puisqu'il est déjà parti. Et les informations obtenues à ce moment-là lors de cette tentative avortée d'interpellation de Sylvain vont conduire à constater que la crainte qui a été le fil conducteur de cette enquête serait avérée. On obtient l'information qu'il est parti dans un autre endroit avec une jeune fille, qu'il vivrait chez les parents de cette jeune fille. On parle d'une jeune fille de 14 ans alors qu'il a à cette époque-là 45 ans. Alors Sylvain échappera-t-il aux gendarmes ? Cette jeune fille est-elle également en danger? Et comment a-t-il pu sévir toutes ces années sans être inquiété? Le 10 janvier 2017, les gendarmes de la section de recherche se rendent dans le Cher, au domicile d'une adolescente que nous appellerons Sandrine. Et c'est chez elle qu'ils retrouvent enfin Sylvain. Je n'étais pas présente, j'étais au lycée, mais ma soeur m'a raconté. Il était chez moi et ils sont venus l'interpeller assez violemment et ils l'ont embarqué sans dire pourquoi.
c'est la sidération, la stupéfaction pour les parents de cette jeune fille qui ne comprennent pas, qui sont manifestement sous l'emprise de Sylvain, à tel point que ne se pose même pas la question de l'anormalité de ce qu'un homme de 45 ans qui donnait des cours de cheval à leur fille de 14 ans finit par vivre sous leur toit. Tandis que Sylvain est interpellé puis placé en garde à vue, les enquêteurs interrogent en parallèle Sandrine. Apeurée et honteuse devant ses parents, la jeune fille nie dans un premier temps toute relation sexuelle avec le suspect. Il ne s'est vraiment rien passé, j'étais amoureuse de lui, c'est normal. Et après, le gendarme me dit oui, c'est parce qu'il nous a dit qu'elle avait fait l'amour avec vous. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, d'accord, on n'a pas fait l'amour, on a juste fait les préliminaires. Dans une seconde audition, Sandrine consent à expliquer sa rencontre avec Sylvain au printemps 2016. Alors qu'elle pratique l'équitation avec sa sœur de 11 ans, les jeunes filles sont entraînées par la compagne du suspect. On a commencé à faire des cours avec elle. Je me rappelle qu'elle est arrivée avec lui et que ça s'est fait naturellement de la présenter comme son compagnon. Et à ce moment-là, quand on faisait des cours avec elle, il restait à l'écart et il ne s'immisçait pas trop dans ce qu'on faisait. Petit à petit, une relation d'amitié se noue entre la famille de Sandrine, sa monitrice, et Sylvain, qui n'hésite pas à leur rendre toutes sortes de services. Mon cheval, il tombait souvent malade là-bas. Il avait été mal nourri et tout ça, donc très malade. Donc je montais son cheval. Et il a commencé à dire à sa compagne, elle a un niveau différent de sa sœur, il vaudrait mieux que je l'entraîne moi-même. Une fois cette proposition acceptée, Sylvain prend contact avec Sandrine sur les réseaux sociaux. Mais un soir, la jeune fille de 14 ans va recevoir des messages au contenu scabreux de la part de son moniteur. Et je me rappelle lui avoir dit « T'es mon entraîneur, pourquoi tu me ferais ça ?» Et il s'est arrêté là. Quand il m'a envoyé ces messages, je m'étais dit « Mais c'est pas la même personne, c'est pas possible. » Et ça m'a paru irréaliste. C'est pour ça que j'ai pas réussi à mettre des mots sur ce qui se passait, quoi. Et Sandrine n'est pas au bout de ses surprises. On avait déposé les chevaux, j'allais pour faire un demi-tour, il m'appelle et je me retourne et là je le vois avec son sexe sorti. J'ai jamais eu de relation sexuelle à ce moment-là, je connais pas. On voit la personne qu'on admire faire ça et puis on ne comprend pas. Quelques jours plus tard, le moniteur d'équitation revient à la charge. C'est à ce moment-là que ça devient vraiment plus violent. Et oui, il fait ce qu'il veut, quoi. Il veut me toucher la poitrine, il le fait. Et je me rappelle d'une habitude qu'il avait, c'est qu'il m'emmenait en balade avec le cheval, donc loin de tout le monde, loin de l'établissement. Et c'est à ce moment-là qu'il en profitait pour me toucher les seins, les fesses. Il est grand, j'étais toute petite, je savais pas trop comment réagir. Pour moi, c'était une figure paternelle, donc je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et oui, je savais pas comment réagir, j'étais tétanisé en fait. Comme avec les autres victimes, les attouchements quotidiens laisseront place à un premier viol. Je pourrais pas dire comment ça s'est passé la première fois parce que c'est tellement arrivé que je m'en souviens plus. Mais je sais que ça a commencé par des préliminaires. Il y a une fois où j'avais essayé de résister, qui m'avait dit non, c'est moi chef et qui m'avait malmené. Et oui, c'est la seule fois où j'ai essayé de résister parce que je me sentais vraiment en danger. Ça se passe 2 à 3 fois par semaine. Ça a duré à peu près un an. Un calvaire que personne autour de la jeune fille ne soupçonne. Ça se voyait pas, hein. J'avais pas de coups, j'avais pas de marques. On aurait dit que j'avais l'air normal. Un peu isolé des autres et un peu agressif, mais sinon, ça ressemblait à une crise d'adolescence. Fort de ce nouveau témoignage, les enquêteurs confrontent Sylvain à toutes les accusations dont il fait l'objet. Va reconnaître très rapidement qu'il a eu effectivement
des rapports sexuels, des relations sexuelles avec un certain nombre de jeunes filles. Pas toutes, mais la plupart d'entre elles, si. En expliquant qu'il s'agissait grosso modo de relations entre guillemets amoureuses, c'est-à-dire soit de coups d'un soir, soit de relations qui auraient duré quelques semaines. Il prend bien soin de ne pas reconnaître de faits de nature sexuelle en dessous de l'âge de 14-15 ans. Même si plusieurs d'entre elles ont fait état de faits de nature sexuelle commençant dès l'âge de 12 ans, en estimant que, à part le caractère peut-être blâmable, éventuellement l'infraction de détournement de mineurs, en quelque sorte, on n'aurait rien à lui reprocher. Mais évidemment, de contraintes, de manipulation, d'emprise, de chantage, bien évidemment qu'il ne reconnaîtra rien. Malgré cette stratégie de défense, Sylvain est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans et placé en détention provisoire le 11 janvier 2017. Alors le suspect reconnaîtra-t-il l'intégralité des faits? Quelles seront les conclusions des experts psychiatres? Et les enquêteurs ont-ils retrouvé toutes les victimes de Sylvain? Début février 2017, un mois après l'arrestation de Sylvain, les experts informaticiens qui ont examiné le contenu de son téléphone remettent leur rapport au juge d'instruction. On va retrouver dans le téléphone de l'accusé un certain nombre d'éléments, notamment des vidéos. Et c'est de cette manière que les enquêteurs vont pouvoir remonter jusqu'à ma cliente. Dans cette vidéo, apparaît une jeune fille dénudée de 17 ans, que nous appellerons Maëlle. Convoquée par les gendarmes, elle refuse dans un premier temps de porter plainte. Elle n'a pas voulu parler de ce qui a pu se passer avec ce moniteur d'équitation. D'abord parce que les faits se sont déroulés, elle avait à peine 16 ans, vraiment à peine. Que la venue des gendarmes va impliquer aussi qu'elle puisse parler à ses parents, ce qui lui paraissait insurmontable. Ce n'est que plusieurs jours après son audition que Maëlle se résout finalement à contacter un avocat. Elle lui raconte avoir fait la connaissance de Sylvain dans un centre équestre du Cher, en juillet 2015. À ce moment-là, l'enquête était déjà ouverte. Assez vite, elle va me dire que c'est lui, par exemple, qui décidait qu'elle pouvait ou non monter tel ou tel cheval. Et elle me dit qu'elle est particulièrement attirée par un cheval qu'elle a plaisir à monter. Et cette donnée, je pense, a très vite été comprise par ce moniteur d'équitation. Il va immédiatement mettre en place une forme de chantage qui va conduire cette jeune fille à penser que si elle veut vivre pleinement sa passion de l'équitation, cet homme-là peut tout, c'est-à-dire lui permettre de vivre cette passion ou au contraire l'en priver totalement. Également entendu par le juge d'instruction, Maëlle décrit sa confusion et sa crainte à l'égard du suspect. L'emprise du moniteur équestre était telle que la jeune fille lui a envoyé entre juillet 2015 et janvier 2016 un certain nombre de photos et de vidéos à caractère sexuel. On va ainsi découvrir une vidéo qu'elle-même va envoyer à Sylvain, où effectivement il s'agit d'elle dénudée. Cette vidéo-là, de ce que Maëlle explique, va être utilisée par Sylvain à partir du moment où il est en possession de cela. Il va être en capacité de davantage la faire chanter et d'obtenir ensuite des actes sexuels plus importants, des rapports sexuels complets.
avec ses vidéos, avec ses SMS, où ces jeunes filles se retrouvent dans des postures qui les humilient le soir quand elles y pensent, et même des années après, en disant « j'ai quand même été capable d'envoyer un SMS ou j'ai quand même été capable de faire une vidéo de moi dans ces conditions-là ». C'est une souillure permanente et pour certaines, alors la vie va faire son œuvre, mais quasiment perpétuelle. Au cours de leur investigation, les gendarmes bourguignons apprennent également l'existence d'une ancienne compagne de Sylvain. Ils se sont fréquentés en 2003, alors que le moniteur était âgé de 30 ans. On s'intéresse évidemment à cette jeune femme, on va la contacter. Et lorsqu'elle va être entendue, elle va confirmer donc qu'elle était la compagne de Sylvain durant plusieurs années. Et surtout, va faire état de ce qu'elle suspecte, qu'il se soit passé des choses, en tout cas sur le plan sexuel, entre sa petite sœur et Sylvain. Cette sœur cadette, que nous nommerons Marie, n'a que 12 ans en 2003. Face aux enquêteurs, elle revient sur son calvaire, commencé dès le début de la relation de Sylvain avec sa sœur. Marie va confirmer que durant plusieurs années, elle va se retrouver à plusieurs reprises seule avec Sylvain. Et elle va expliquer que, de la même manière, si elle faisait telle ou telle chose avec lui, eh bien, il pourrait la faire progresser sur le plan de l'équitation. Et c'est dans ces circonstances qu'effectivement, la jeune Marie va expliquer avoir subi des faits de nature sexuelle, des attouchements, puis des rapports sexuels de la part de Sylvain. Au cours de l'année 2017, Sylvain va être auditionné à de nombreuses reprises par le juge d'instruction, afin qu'il s'explique sur les accusations qui pèsent sur lui. Systématiquement, l'attitude consiste à soit répondre à côté, soit lorsqu'il est recadré par le juge d'instruction, rentrer dans une attitude mais véritablement frontale, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas d'être mis en difficulté par le juge d'instruction. Et donc tout le travail du magistrat instructeur, ça va être de résister aux assauts de Sylvain, qui va essayer à maintes et maintes reprises de le faire craquer, y compris jusqu'à se retourner sur son fauteuil lors des interrogatoires et à répondre au juge d'instruction en lui tournant le dos, en faisant en sorte que, grosso modo, hormis le faire déplacer manu militari par l'escorte, eh bien, l'interrogatoire se passera selon ses règles à lui. Là encore, on en revient à la personnalité de Sylvain qui n'accepte quelque chose que si ça se passe selon ses règles à lui. Tandis que Sylvain reste sur ses positions, le juge d'instruction met en place une nouvelle stratégie. Des confrontations avec les 8 victimes présumées sont organisées. Mais plus de la moitié des jeunes filles refusent la convocation. Non, c'était pas facile, hein. C'était horrible. Je comprends que les autres filles, elles aient pas pu, parce qu'il faut avoir de la ressource, je pense. Éléonore, quant à elle, trouve la force d'affronter son bourreau. Le juge, elle commence à poser des questions. Savoir si c'est bien lui, est-ce que je confirme toujours les faits. Moi, je confirmais tout aussi. Et il est devenu fou parce qu'il pensait que c'était... qu'en fait, je l'incriminais lui au lieu d'une autre personne. Et là, il l'a débloqué. Des cris, des insultes, envers tout le monde. Il n'a pas fait le tri, hein. Des expertises psychologiques vont également être mandatées afin d'évaluer le traumatisme de ces jeunes filles. Toutes racontent avoir eu le sentiment que leur esprit avait quitté leur corps au moment des faits. J'appelle ça le mode off, en fait. Le cerveau, il a tout éteint. Plus d'émotions, plus rien. Il y a eu un détachement de moi-même, en fait. Et donc, il y avait le moi qui avait mal, tout ça, et l'autre moi qui est au-dessus, qui regarde la scène. C'est pareil, le cerveau s'arrête. On pense plus à rien, on subit, et après on s'en va, et c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir. C'est-à-dire que c'est bizarre ce qui s'est passé, j'ai honte, pourquoi ouais, on réfléchit plus. On bouge plus, on dit rien, on crie pas. Alors qu'on a très mal, mais on crie pas. Non, c'est étrange. De plus, certaines de ces jeunes filles n'ont que des souvenirs partiels de toute la période où elles étaient en contact avec Sylvain. Elles ont oublié ce qui leur a fait du mal,
mais elles font parfois le constat qu'elles ont pu aussi oublier ce qui a fait du bien, pas avec lui évidemment, mais au moment des faits, sur cette période de temps, il y a eu des choses agréables. Ben, ça aussi, c'est occulté. Donc ça veut dire qu'on a des fois des jeunes filles qui ne se rappellent pas d'un anniversaire, qui ne se rappellent pas d'une fête, qui ne se rappellent pas d'une réussite, un examen, qui ne se rappellent pas de moments joyeux. C'est absolument déconcertant. Lors de sa détention provisoire, le suspect va lui aussi être examiné par des psychiatres. Leurs conclusions sont sans appel. Les experts n'utilisent pas toujours et pas souvent le terme de prédateur sexuel, de pervers. Et là, les experts ont dit eux-mêmes, c'est au-delà de ce qu'on a pu voir dans d'autres dossiers. On a quelqu'un qui effectivement se repaît du mal qu'il fait à autrui. C'est quelqu'un qui cherche sa jouissance, mais qui se contrefiche de ce qu'il peut provoquer en douleur physique à l'instant T et des conséquences que ça a pu avoir après. Et ce qui explique d'ailleurs la répétition, hein. C'est-à-dire que je passe de l'une à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un département à l'autre, d'un centre à l'autre, comme de toute façon je ne suis pas pris, comme de toute façon rien ne se sait, je continue sur ma lancée. Ce sentiment d'impunité était exacerbé par le mutisme des gérants de centres équestres. Si certains d'entre eux ignoraient les agissements de Sylvain, d'autres avaient des doutes et auraient dû alerter les autorités. Tout travail mené dans ce milieu équestre, qui est un milieu assez particulier, il faut le dire, va nous conduire à constater qu'on ne parle pas. On ne parle pas, en tout cas, en dehors de ce milieu-là. Alors, quelle sera l'attitude de Sylvain lors du procès d'assises ? Continuera-t-il de nier les crimes qui lui sont reprochés ? Et les victimes réussiront-elles à affronter leur agresseur ? Le lundi 16 septembre 2019, le procès de Sylvain s'ouvre devant la cour d'assises de la Nièvre à Nevers. Sur les 8 victimes de cette affaire, seulement 5, à l'image de Sandrine et Éléonore, parviennent à faire face à leur bourreau. Au début, j'ai très mal vécu parce que j'ai dû le revoir alors que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, que je commençais à passer à autre chose, à oublier cette histoire et avancer. Et oui, ça m'a fait... J'étais pas très bien à ce moment-là. Quand je l'ai vu menotté, attaché comme un chien, il pouvait même pas fumer sa clope, j'étais satisfaite quand même. Je me suis dit, ça va bien se passer. Mais rapidement, alors que les premiers témoins sont appelés à la barre, Sylvain s'agite et invective toute la salle d'audience. Durant toutes ces premières heures de procès, j'ai face à moi Sylvain dans le box des accusés qui vocifère, qui est intenable, un lion en cage en quelque sorte. Et quand il criait, dans son box, d'une, il y a la résonance, dans son micro, c'était retransféré sur les enceintes, qui résonnaient dans les micros de la cour. Dans ce brouhaha, Sylvain n'en finit plus de couper la parole aux victimes et empêche la bonne tenue des débats. Sylvain va franchir la limite en devenant même outrageant vis-à-vis de la cour. À un moment donné, moi n'en tenant plus, effectivement, je me lève et je demande au président de la cour d'assises d'expulser Sylvain de la salle d'audience. Pour les 3 derniers jours d'audience, Sylvain refuse de se présenter au tribunal. Entre soulagement et déception, les 5 victimes vont alors devoir témoigner face à un box vide. Avec tout le travail que j'ai fait en psychologie, tout ça, là j'ai envie de me tenir devant lui et de lui dire « tu m'as fait mal ». Je veux qu'il me voie debout, fier, et j'ai les épaules larges. Je suis grandi. Et là, malheureusement, il n'était pas là. Donc j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Une situation également particulière pour l'avocat de la défense. À partir du moment où lui est absent, de 2 choses l'une. Soit je me présente plus non plus, soit je continue de le défendre. Et j'ai décidé de continuer de le défendre parce que il fallait à un moment donné qu'il soit défendu, peut-être pas de la façon dont il voulait, mais que quelqu'un porte sa voix.
Le 20 septembre 2019, après 5 jours d'audience, et alors qu'il refuse encore de se présenter au tribunal, Sylvain est condamné à 18 ans de réclusion, assorti d'une période de sûreté de 12 ans. Il fait immédiatement appel de cette décision. Je trouve que c'est quand même pas très cher payé. C'est quand même une grosse peine pour ce qu'il a fait, mais c'est pas cher payé pour le mal qu'il a fait à tant de monde. Un an plus tard, le 25 septembre 2020, Sylvain voit sa peine alourdie de 2 ans, lors du procès en appel. Aujourd'hui, 5 ans après le début de l'enquête et 17 ans après les premiers crimes de Sylvain, ses victimes parviennent enfin à appréhender l'avenir sereinement. À l'image d'Éléonore et Sandrine, pour qui le dépôt de plainte et le procès ont été un véritable exutoire. Mais j'avais un boulet comme les Dalton, là, le boulet à la cheville. Je l'ai traîné longtemps. J'ai été à bout de bras, à bout de souffle, à bout de force, parce que j'arrivais pas à avancer. Et là, je l'ai enlevé, ce boulet. Et j'ai décrété de faire ma vie et d'être le plus heureuse possible. Toujours profiter. Une fois qu'on en parle, on se rend compte de tout ce qui s'est passé, qu'on est vraiment des victimes, qu'on n'est pas coupable. J'espère que ça peut aider des personnes à faire le même chemin. Ça fait peur, c'est horrible de devoir sortir les tripes, comme je dis. De ressentir toutes ces émotions-là. Mais il faut les sortir. Parce que la boule noire qui est à l'intérieur de nous, elle nous bouffe. Il faudrait qu'on ait tous la force de faire ça. Parler, se libérer et être heureux. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment un entraîneur de football a trompé sa famille et fait vivre l'enfer à de jeunes joueuses. Un huis clos bouleversant qui mettra la lumière sur un homme aussi pervers que manipulateur. Lorsqu'il les faisait monter dans la chambre, Bertrand tentait de les convaincre que c'est pour leur bien, que c'est dans l'intérêt de ne pas le répéter. Il est à l'origine d'une culture du secret dont on peut penser qu'elle a retardé la libération de la parole. Sa femme, elle a tout construit autour de cet homme. Et elle se retrouve à réaliser qu'elle a côtoyé quelqu'un qui s'est révélé être un monstre. Nous sommes à Autignac, dans le département de l'Hérault. Cette modeste commune de 900 habitants est érigée au cœur du célèbre vignoble de Faugères. Autignac, c'est un petit village à une vingtaine de kilomètres au nord de Béziers, direction de Bédarieux. C'est un village essentiellement voué à l'agriculture, pas d'autres cultures dans le coin que de la vigne. Le 20 janvier 2016, comme chaque mercredi matin, une femme, que nous appellerons Marie, prépare le sac de football de sa fille Kelly. Mais ce jour-là, l'enfant de 8 ans refuse fermement d'aller s'entraîner. C'est un événement assez inhabituel parce que jusqu'alors, a priori, elle avait toujours montré du plaisir dans cette activité. Malgré les questions de sa mère, Kelly n'en dit pas plus. La maman a demandé des explications un peu plus précises. Et le soir même, après le match, la petite Kelly a expliqué ce qui s'était passé. Elle expose qu'elle avait été victime d'attouchement de la part de l'entraîneur de foot de l'équipe d'Autignac. Le lendemain matin, après les révélations choc de sa fille, Marie se rend à la gendarmerie de Murviel-les-Béziers, une commune située à 9 km d'Autignac. Après avoir enregistré la plainte de la mère, les enquêteurs demandent à rencontrer au plus vite Kelly. Alors l'enfant fera-t-elle d'autres révélations? Que s'est-il réellement passé
avec l'entraîneur de football. Et qui est cet homme ? Dès le lendemain, Kelly et sa mère se rendent à Lunel, dans les locaux de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Face aux gendarmes, la fillette revient sur un épisode traumatisant qu'elle a vécu quelques jours plus tôt chez son entraîneur de football, que nous appellerons Bertrand. Il l'a fait monter dans sa chambre, seul, lui a demandé de se dévêtir, commencer à pratiquer ce qu'on qualifiera plus tard de différentes caresses buccales, attouchements à connotation sexuelle sur sa personne. D'après Kelly, ces attouchements ne seraient survenus qu'à une seule reprise. Des accusations lourdes à l'égard de cet homme de 39 ans qui n'a jamais eu de démêlés judiciaires. Alors, comme le veut la procédure, les gendarmes s'intéressent au profil de l'enfant. Kelly, elle est parfaitement insérée socialement, elle est à sa place avec ses amis à l'école, pratique le sport avec certaines de ses amies également, donc le football. Elle est scolarisée au village, elle travaille bien en classe, enfin, c'est une enfant sur laquelle il n'y a absolument rien à dire à ce niveau-là. L'examen psychologique de Kelly va également conforter les gendarmes sur l'authenticité de son témoignage. Elle va relater un récit cohérent, en lien avec les émotions qu'elle peut ressentir à la suite de ces faits. Le récit n'est nullement induit, elle n'est pas manipulée. Elle décrit des événements qui lui sont arrivés avec ses mots d'une petite fille de 8 ans. Pourtant, l'examen gynécologique réalisé sur la petite fille ne fait état d'aucune lésion. Il faut bien comprendre que l'absence de lésion n'exclut pas d'attouchement, d'agression. On sait très bien qu'une pénétration digitale, qui correspond à un acte de viol, peut pour autant ne pas induire de lésions particulières sur la personne de la victime. Alors que va révéler la suite de l'enquête ? Quelle sera la version de Bertrand, l'entraîneur de football ? Et aurait-il fait d'autres victimes ? Suite aux allégations de Kelly, les gendarmes réalisent une enquête de personnalité sur Bertrand. Très vite, ils découvrent que leur suspect a dû faire face à de nombreuses épreuves depuis son plus jeune âge. Son père a tiré un coup de fusil sur le voisin, il y avait un problème de voisinage important. Le voisin est mort, donc pendant plusieurs années, l'enfance de Bertrand, c'est d'aller à la maison d'arrêt voir son père qui est incarcéré. Après avoir passé 8 ans derrière les barreaux, le père de Bertrand est finalement libéré. La famille prend alors une décision radicale. Quand il sort de prison, on tourne la page, et pour tourner la page, on part à Madagascar pour se livrer au commerce de bois et de meubles. Malgré ce déracinement, l'adolescent parvient tout de même à s'épanouir en Afrique de l'Est. Bertrand vivra très bien cette période où il aura l'une de ses premières amoureuses et une vie appréciable à Madagascar. Mais au bout de 4 ans, Bertrand et ses parents reviennent dans l'Hérault. À son retour, le jeune homme de 19 ans a soif d'entreprendre et se lance à son compte. C'est un vrai bosseur, hein. C'est un acharné. Il se spécialise dans la vente de pneus à bas coût, soit rechappés, soit du neuf à bas coût. Et donc il établit assez vite un garage qui a bonne réputation sur le rapport qualité-prix pour ce type de prestation. C'est quelqu'un qui est très aimé et qui a su se rendre indispensable, en tout cas incontournable dans ce village.
Il était vraiment extrêmement serviable. Vous pouviez lui demander un service, il vous le rendait immédiatement. Vous aviez besoin d'une réparation urgente, vous en bénéficiez. Vous n'avez pas la possibilité de le payer immédiatement, pas de problème, c'était reporté à une échéance. Bref, c'est quelqu'un de formidable. C'est à l'âge de 21 ans que Bertrand fait la connaissance de Sabine en boîte de nuit. Elle est décrite comme la femme de sa vie. Et deux enfants vont naître de cette relation et le couple va faire construire une maison et va s'installer et avoir des projets. À Autignac, le chef d'entreprise semble mener une vie stable, nourrie de plusieurs hobbies. Il est passionné de mécanique, mais il est aussi passionné de quad. Il organise des sorties de quad, il va acheter des quads. Bertrand, qui joue au football depuis son enfance, va même devenir l'entraîneur de son village en 2014. C'est quelqu'un qui aime s'investir. C'est quelqu'un qui a besoin de s'investir, il a peut-être même un besoin de reconnaissance. Et donc quand on est dans un village de 900 habitants, qu'on a une petite entreprise, qu'on connaît tout le monde, qui a l'occasion d'aller entraîner des gamins, il le fait. Voilà, c'est, je pense que c'était vraiment pour aider. En parallèle de l'enquête des gendarmes, la mère de Kelly décide de contacter et d'avertir les autres parents du club. Elle s'est rapprochée des parents en disant « Voilà ce que m'a révélé ma fille, est-ce que vos enfants vous ont parlé ?» de faits identiques qui se seraient passés. Et petit à petit, les langues des enfants se sont déliées. Et 6 jours après la venue de la maman de Kelly à la gendarmerie Murviel-les-Béziers, arrive la maman d'une autre très jeune fille, Léa, qui a relaté un récit quasi similaire. Elle se plaint d'attouchements quasi identiques qui auraient été commis sur sa personne par Bertrand, l'entraîneur de foot. Elle fait elle aussi partie de cette équipe de foot. Elle n'est pas au même niveau, elle n'a pas le même âge, mais elle a les mêmes relations avec cet entraîneur. Elle va décrire le même mode opératoire. Comme Kelly, Léa a été abusée au domicile de son entraîneur. Au cours de leurs investigations, les gendarmes apprennent que chaque mercredi matin, de nombreux parents avaient l'habitude de laisser leurs enfants chez lui. On fait gagner du temps, ça rend service, on mange tous ensemble, on se change et on va à l'entraînement de foot. Et donc c'était un moment joyeux, assez festif, et voilà, où les enfants se retrouvaient. On joue à la console, les garçons jouent à la console. Ensuite, certaines filles, dont on peut dire, au terme de l'enquête, qu'elles sont ciblées, qu'elles sont choisies par Bertrand, sont accompagnées, tantôt seul, tantôt à deux, dans la chambre à coucher. Tandis que les enquêteurs s'apprêtent à auditionner Bertrand, la mère de Vanille, une autre joueuse, débarque à son tour à la gendarmerie. Vanille, comme les deux autres jeunes filles qui ont pu déposer dans le cadre de cette affaire, à ce stade, a pu livrer un récit extrêmement précis et détaillé, avec les mots d'une très jeune fille, mais avec des mots assez crus qu'on n'a pas l'habitude d'employer au quotidien. Si le témoignage de Vanille coïncide avec les précédentes plaintes, cette troisième victime présumée apporte un élément nouveau aux yeux des gendarmes. Elle va pouvoir aussi leur expliquer que parfois elle n'était pas toute seule. Se trouver aussi avec elle, tout aussi dévêtue, dans le plus simple appareil, sur le lit de la chambre à coucher, Charline, à ses côtés. Alors que va révéler Charline? Depuis quand l'entraîneur de football sévit-il au sein du club? Et combien de victimes a-t-il à son actif? À la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Lunel, Charline est entendue. Contre toute attente, la fillette va livrer un témoignage
bien différent des précédents. Charline va se montrer, dans un premier temps, assez surprise, feignant peut-être de ne pas comprendre la raison pour laquelle elle était entendue par les enquêteurs, indiquant que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème avec Bertrand, elle est très amie avec l'aîné de ses fils, il n'y a rien de particulier à signaler. Mais deux jours plus tard, l'enfant de 10 ans donne à ses parents une lettre qu'elle vient de rédiger. Elle raconte ce qui s'est réellement passé. À partir de là, Charline sera à nouveau entendue par les enquêteurs et va pouvoir leur livrer un récit plus précis, plus étayé. Bertrand la conduit près des escaliers dans la chambre, qu'il ferme à clé, l'allonge sur le lit, la dévêtit, la caresse, la pénètre digitalement. Tandis que les quatre victimes sont des filles, les gendarmes se demandent si les garçons présents chez Bertrand les mercredis auraient remarqué quelque chose. Les enquêteurs vont évidemment les entendre. Ils vont entendre le frère de Kelly, ils vont entendre les deux fils de Bertrand. Les trois vont pouvoir effectivement confirmer la présence des jeunes filles ces mercredis-là, vont pouvoir confirmer qu'elle soit montée seule avec lui, à l'étage, dans cette chambre. Mais ils n'ont jamais été témoins d'aucun fait. Disons que vous mettez des jeunes garçons devant une console de jeu, je défie quiconque de leur demander ce qui se passe autour, quoi. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les garçons restaient au rez-de-chaussée avec la console de jeu et à l'étage, les filles montaient. Fin janvier, 9 jours après la plainte de la mère de Kelly, les gendarmes estiment qu'ils ont assez d'informations pour confondre et arrêter Bertrand. Au moment de son interpellation, je pense qu'il ne s'y attendait absolument pas. Et de suite, il va adopter une attitude qui va consister à nier. À nier absolument tous les faits. Ce dont on l'accusait, c'était complètement délirant. Il n'a jamais isolé un enfant. Il a toujours eu plusieurs enfants avec lui. Ses propres enfants étaient à la maison. Les autres jouaient également à la maison et que donc, c'était impossible. Auditionné en garde à vue, l'homme de 39 ans ne change pas de version et va même jusqu'à crier au complot. Il est choqué, il ne comprend pas. Il pense à une possible entente puisque ce sont plusieurs parents et il ne comprend pas pourquoi et comment on peut l'accuser de ces faits. Après 24 heures d'interrogatoire, l'entraîneur est placé en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte contre lui pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs de moins de 15 ans. Sabine, son épouse, est sous le choc. Lorsqu'elle apprend les accusations qui sont portées contre son époux, vraiment, elle est outrée, elle ne l'explique pas, parce que pour elle, c'est inimaginable. Entendue par les gendarmes, cette aide-soignante de profession confirme la présence d'enfants à leur domicile le mercredi. Mais ce jour-là, elle assure être en formation. Elles ont lieu à Montpellier, et il faut qu'elles se lèvent et qu'elles partent à 5 heures du matin pour être à l'heure et être en cours. Donc forcément, elle est absente de la maison le mercredi. En couple avec Bertrand depuis 18 ans, Sabine soutient coûte que coûte son mari. Son épouse est très présente lors de son placement en garde à vue puisqu'elle viendra lui rendre visite, prendra contact avec son conseil. Elle lui apporte des affaires. Elle obtient même de le voir en privé quelques instants. Elle le rassure sur les enfants. Elle est en larmes. Et au moins au tout début, vis-à-vis de la défense, elle va insister pour que soient formulées des demandes de mise en liberté, qui seront faites d'ailleurs. Elle va indiquer qu'il y a peut-être effectivement des gens qui s'entendent entre eux. Enfin, elle va défendre la thèse de l'innocence de son époux.
Si Sabine assure que son mari est incapable de telles atrocités, les experts psychiatres qui rencontrent Bertrand livrent une autre conclusion. Les experts se sont quand même accordés sur le fait qu'il avait des difficultés à reconnaître la nature même de ses actes. Les experts, évidemment, parlent de perversion, hein. C'est une perversion ce qu'il a fait. Mais c'est un personnage qui s'enferme dans le déni et qui a une personnalité, au fond, assez fragile. Il est parfaitement responsable de ses actes, mais c'est sa structure mentale qui présente un caractère pervers. C'est le fonctionnement qui est pervers. C'est pas, il a tout ce qu'il faut dans le cerveau pour fonctionner normalement. Mais il ne peut pas parce qu'il est mal construit. Parallèlement à ces expertises, une perquisition est menée au domicile de l'entraîneur de foot. Les enquêteurs ne retrouvent aucun élément qui puisse avoir un lien avec, avec les faits qui sont reprochés à Bertrand. On n'y retrouvera rien d'illégal, si ce n'est quelques pieds de cannabis, et Bertrand aura assez vite admis être un consommateur régulier de cannabis. Les enquêteurs vont toutefois saisir du matériel informatique. Alors, que va révéler l'analyse de son ordinateur? Les gendarmes retrouveront-ils des éléments de preuve? Et Bertrand va-t-il avouer tous les faits reprochés? Tandis que les enquêteurs occitans ont déjà enregistré les plaintes de 4 victimes présumées, un nouveau témoin va se manifester. Il va se présenter devant les enquêteurs, une jeune fille de 28 ans, la cousine de Bertrand, qui explique que lors de l'été 96, elle a été victime de la part de son cousin d'une pénétration digitale alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur un quad qu'elle conduisait. C'est un secret bien enfoui qu'elle avait tenté d'oublier et qui s'est imposé à elle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Quelquefois, ça ressurgit. Cette jeune femme, que nous appellerons Jeanne, assure qu'il s'agit là d'un acte isolé. Pour autant, les gendarmes remarquent des similitudes avec les autres témoignages. On a cette emprise que Bertrand exerçait sur elle à ce moment-là, au moment où il la pénétrait. On a cette culture du secret, encore une fois. On cherche à la rassurer, on lui explique que ça va la faire grandir, c'est presque bien pour elle finalement, et qu'il ne faut pas le raconter. Suite à cette plainte, les enquêteurs interrogent une nouvelle fois le mis en cause. Mais l'homme ne fléchit pas. Il va tout nier, de toute façon. C'est la stratégie qu'il a adoptée. Il nie. C'est de l'invention. Le 22 avril 2016, près de 3 mois après la première plainte, les gendarmes de Murviel-lès-Béziers font face à un événement inattendu. C'est au tour de l'épouse de Bertrand de se présenter à la gendarmerie. Elle qui, jusqu'alors, lui avouait un soutien indéfectible. Elle va avoir cette fois une attitude complètement différente. Elle va clairement se positionner du côté des victimes. Elle a compris de façon brutale que l'homme avec qui elle vivait avait une face sombre et qu'en réalité elle ne le connaissait pas. Interrogée sur ce revirement de situation, Sabine explique qu'elle vient de mettre la main sur un élément qui l'a complètement perturbée. En haut d'une armoire, dans un carton, elle a fait une découverte, un disque dur. Et dans son esprit, fallait vérifier pour voir s'il y avait des photos d'enfants et que l'impensable soit vrai. Avec appréhension, Sabine décide de vérifier le contenu de ce disque dur. Elle voit une jeune femme et elle réalise qu'elle se voit. Elle se voit sur 10 ans. Elle se trouve endormie
dans des positions suggestives, nues, pénétrait par la main de Bertrand et divers objets qu'il tenait, et bien entendu sans son consentement. Et là, là vraiment, c'est le sel qui lui tombe sur la tête. Parce qu'elle comprend qu'elle est victime. Mais ça, c'est pas possible à supporter. Dans ce carton, Sabine va également retrouver des somnifères. Et elle va comprendre qu'elle était forcément assommée, forcément endormie. Et puis surtout, elle va comprendre pourquoi, au réveil, elle avait certains jours des douleurs intimes, très fortes. Et elle va comprendre pourquoi elle a failli perdre son enfant. Après le choc de la découverte, Sabine est envahie par un sentiment de honte et de trahison. Ben, souvent, comme beaucoup de femmes qui sont victimes de viol, hein, on lave, on désinfecte, on javelise, on détruit, on enlève le mal. Et c'est ce qu'elle a fait avec ce disque dur. Et quelques temps après, elle a réalisé qu'elle avait détruit des preuves. Alors comment Bertrand va-t-il se défendre face aux accusations de sa femme? Gardera-t-il la même version? Et les gendarmes retrouveront-ils des éléments matériels pour l'incriminer définitivement? Confronté au témoignage de sa femme, l'entraîneur de football va immédiatement contester la simple existence de ce disque dur. Il est démontré qu'au moment de la perquisition, il n'y a pas de carton au-dessus ou à l'intérieur de l'armoire, puisque le dessus et l'intérieur de l'armoire sont pris en photo par les gendarmes au moment même de la perquisition. Mais pour les avocats des parties civiles, une erreur a très bien pu être commise lors des investigations. Il y a des photographies de la perquisition, il faut voir le nombre de choses qui se trouvaient dans le garage de ce monsieur. Il y avait de tout, il y avait des cartons, il se peut très bien que les gendarmes n'avaient pas vu. Si le mystérieux disque dur semble avoir été détruit, les enquêteurs se concentrent sur l'ordinateur de Bertrand et parviennent à récupérer des fichiers. L'enquête rebondit et fort heureusement, la technique faisant des miracles, on est arrivé à retrouver certaines photos. On a fait parler l'ordinateur. Pas moins de 1800 photos de Sabine endormie et dans des positions très intimes vont être retrouvées sur l'ordinateur. Malgré ces preuves accablantes, l'entraîneur de football a une explication. Bertrand se défendra tout d'abord de tout viol commis sur son épouse, expliquant que c'est une pratique sexuelle entre eux, qu'elle était tout à fait consentante, même si d'apparence endormie sur les photographies. Mais pour l'avocate de Sabine, ses justifications ne tiennent pas. Vraiment, cette liste complètement hétéroclite d'objets, variés, du quotidien, aux choses vraiment extravagantes, des objets en verre qui peuvent se casser. Quand on utilise ce genre d'instrument, c'est pour faire mal ou pour faire un exploit. Et quand on croit utile d'endormir celle que l'on va violer avec ces éléments, c'est que ce n'est pas un jeu et que ce n'est pas consenti. L'analyse informatique va également permettre de déceler plus de 1000 photos à caractère pédopornographique. Bertrand explique que c'est lorsqu'il télécharge des jeux informatiques qu'il peut y avoir des liens sur différents sites qui ne sont pas d'ailleurs que des sites d'enfants. Une justification improbable pour les experts en informatique. C'est pas du tout un chargement par hasard. Je vois pas comment, en chargeant des jeux, on peut aller sur un site particulier avec des mots de passe particuliers pour charger des images particulières. L'expertise est formelle. C'est pas du hasard. Ça révèle vraiment une volonté.
Donc ça révèle une action déterminée et volontaire de Bertrand. Pour les enquêteurs, l'homme de 39 ans apparaît comme un individu extrêmement dangereux. Un pédophile, au mode opératoire bien rodé, qui aurait abusé d'au moins 6 victimes. Dès qu'on a un peu d'autorité ou dès qu'on a un peu de pouvoir ou de séduction sur quelqu'un, on a tendance à en abuser. Et on en abuse d'autant plus facilement qu'on a affaire à des enfants. Qui par candeur, l'entraîneur de football, est un peu déifié. Donc, par conséquent, on leur disait surtout ne en parlez pas, gardez le secret. Tous les pédophiles disent ça. Hein. C'est un secret entre nous, il ne faut pas en parler parce que sinon, ça serait grave. Voilà, ça te retomberait dessus. Ce mode de fonctionnement, allié aux traits de personnalité que l'expert psychologue et l'expert psychiatre commis dans ce dossier ont pu mettre en lumière, ont permis de parler d'un véritable prédateur. Si les deux garçons du couple semblent avoir été épargnés par Bertrand, leur mère s'interroge sur le rôle qu'ils ont pu avoir dans cette terrible affaire. La crainte de Sabine, c'est d'imaginer que ses enfants aient servi d'appât pour attirer les petits copains, pour attirer les petites filles. Ses enfants, elle essaie de les préserver. Ils sont évidemment très fortement perturbés. Le 15 février 2018, le juge d'instruction ordonne le renvoi de Bertrand devant la cour d'assises de l'Hérault. Il doit répondre de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de sa femme, de sa cousine et de 4 enfants. Alors comment va se dérouler le procès de l'ancien entraîneur de football? Continuera-t-il de nier l'évidence et sera-t-il reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés? Le 1er juillet 2019, plus de 3 ans après la première plainte contre Bertrand, le procès de l'entraîneur de football s'ouvre à Montpellier. L'ambiance est, comme on peut l'imaginer, électrique. La salle est comble. Le nombre de victimes est important, et je parle là des parents. Les enfants sont, au vu de leur jeune âge, ne sont pas présents à l'audience. Depuis le box des accusés, Bertrand, 42 ans, semble extrêmement diminué. Il s'est présenté dans un état physique mal en point, très amaigri, avec une béquille, un corset. Est-ce que c'est son aspect habituel? Je ne sais pas, toujours est-il que quand les questions l'embarrassaient, il dormait. Mais pour les avocats de l'entraîneur de football, l'état léthargique de Bertrand est indépendant de sa volonté. Il a de gros problèmes de dos, il est sous morphine et on ne trouve rien de mieux à faire dans la maison d'arrêt dans laquelle il arrive que de lui mettre tout de suite un patch avec l'équivalent d'une dose hebdomadaire de morphine. Donc le premier jour, pendant qu'on aborde ce fameux rapport des faits qui est fait par le président, il dort parce qu'il est assommé. Il dort pas, c'est pas qu'il s'assoupit, il est totalement assommé, comme vous l'êtes sur un lit d'hôpital. Ça a été très compliqué pour lui de tenir ce procès. Il a été quand même absent de son procès de nombreux moments. Il a fallu changer son traitement, puisqu'encore une fois, il n'était pas responsable de cette situation. Il a tenu comme il a pu, mais c'est quelque chose qui a été très difficile. Face à cette attitude, une expertise médicale va être réalisée sur l'accusé. C'est un point qui a été vérifié, qu'en réalité, il pouvait parfaitement suivre le procès, ce qui a été fait. Si le comportement de Bertrand soulève des interrogations, l'entraîneur de football ne change pas sa ligne de défense. C'est décevant pour des parents. Pas que pour des parents. Vous êtes victime de quelque chose et celui qui en est l'auteur ni des évidences pour venir expliquer des choses, des complots, des ci, des ça, qui ne tiennent pas du tout la route.
et qui deviennent vous dire à vos parents, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, j'ai jamais rien fait à vos enfants. Donc, il y a un sentiment quand même de grande, à tout le moins, d'insatisfaction. Tandis que 4 victimes sont absentes des débats, leurs auditions filmées à la gendarmerie de Lunel vont être diffusées dans la salle d'audience. On voit les comportements des enfants. Je crois que c'est encore plus significatif que ce que les enfants peuvent dire. Ils se tordent les doigts, ils se tortillent, ils sont mal assis sur leur chaise, parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'ils sentent qu'il y a une problématique qui se pose sur leur tête et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc ça, ça a été très explicite de la situation dans laquelle se trouvaient les enfants. Ce n'est pas des enfants qui sont venus raconter une histoire créée par les parents. C'est des enfants qui sont venus dire avec leurs mots à eux ce qu'ils avaient ressenti. Appelé à la barre, le pédopsychiatre qui a rencontré les victimes fait état du traumatisme vécu. Et notamment en ce qui concerne Charline. L'expert psychiatre a parlé d'une véritable scission. Et cette scission n'est pas sans conséquence. Sur le plan psychologique, c'est certain, il va falloir opérer une importante reconstruction pendant plusieurs années. Il y a un suivi important qui doit être mis en place. Mais les conséquences sur le plan physique aussi sont particulièrement notables. En ce qui concerne Charline, elle a arrêté pendant plusieurs années sa croissance. À cet âge-là, c'est dramatique. Sabine, l'ex-femme de Bertrand, est quant à elle présente sur le banc des parties civiles. C'est la toute première fois qu'il se retrouve depuis l'instruction. Elle ne le regarde pas, elle ne s'est adressée à lui que pour lui demander pourquoi. Pourquoi tu as fait ça à nos enfants? Pourquoi tu as fait ça à ses enfants? Pourquoi? Mais Bertrand reste de marbre et continue de nier. Une stratégie qui va susciter une profonde indignation dans la salle d'audience. Toujours difficile de trouver la limite entre le procès et le lynchage. Quand vous avez tout un village qui vient dans la salle, des familles et des parents, bah, les questions qui fusent à l'encontre de l'accusé ne sont pas toujours formulées de manière agréable, de manière équilibrée. Donc c'est dur. C'est dur pour lui. Il y a parfois des cris. Lui répond le plus calmement possible. Et la défense essaye de donner à ce procès la dignité que chacun mérite, y compris d'ailleurs les enfants. Le vendredi 5 juillet 2019, après une semaine de débat, la cour d'assises de l'Hérault rend son jugement. Bertrand est condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. C'est la peine maximale pour un primo-délinquant convaincu de viol sur mineur. Il est condamné pour l'ensemble des faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises. À cette peine, la juridiction ajoute un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 10 ans. C'est également le maximum. J'ai remarqué chez les parents des enfants un soulagement, une reconnaissance de la culpabilité, même si elle était niée, d'autant plus qu'elle était niée. C'est-à-dire que les enfants devenaient véritablement des victimes à partir du moment où l'entraîneur est condamné. Bertrand fait immédiatement appel de ce verdict. En attente du nouveau procès, il reste à ce jour présumé innocent. Aujourd'hui, à Autignac, les exactions du prédateur sexuel sont encore dans toutes les mémoires. Les habitants et surtout les familles des victimes s'en veulent terriblement d'avoir accordé leur confiance à cet homme manipulateur. Il est certain que cette affaire, dit l'entraîneur de foot d'Autignac, va marquer le village tout entier, sa population, sa faible population. Les parents ont cru pouvoir faire confiance à cet homme-là et se sont trouvés trahis, ils sont tombés de haut. Sabine,
qui a également été reconnue en tant que victime, parvient peu à peu à remonter la pente. Elle a la chance quand même d'être entourée par sa famille, qui l'aide dans cette épreuve. Ses enfants aussi l'aident. Ils sont très présents, ils ont grandi, ils ont mûri. Et bien entendu, elle est très soutenue. Vous dire qu'elle va bien, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Mais elle fait en sorte d'aller mieux.